La définition de l'engagement, c'est déjà donner de soi. Alors donner de soi, c'est très large. Être capable de faire fi des aléas, qu'ils soient personnels ou même de service, pour arriver à une finalité qui est la mission et d'honorer la mission. Cet ancrage effectivement de la notion d'engagement chez moi est très présente depuis très longtemps. Et il faut avoir cette valeur de l'engagement et cette haute estime de l'engagement. Finalement, l'engagement, c'est être capable de se mettre à la disposition de quelque chose de plus grand que soi, qui nous dépasse finalement. Chez les pompiers, c'est le cas. On se met toujours à la disposition d'un service, d'un organisme, d'une institution qui est plus grande que nous, que tout seul, on ne peut pas faire fonctionner. Comment ça se traduit? Ça se traduit déjà par le fait de s'investir. S'investir sur une journée de garde, c'est quoi? C'est être présent le matin au rapport, avec sérieux bien évidemment. C'est faire correctement l'inventaire de son véhicule pour être sûr qu'il ne nous manque rien en intervention. C'est également remonter tout dysfonctionnement. C'est participer aux manœuvres avec l'envie d'apprendre, envie de progresser, envie d'évoluer. C'est toujours se remettre en question. Finalement, l'engagement, il est tout au long de la journée, tout au long d'une garde, tout au long de la vie en caserne, tout au long du moment où on signe notre contrat chez les sapeurs-pompiers. Alors pour moi, l'engagement, c'est de donner de son temps à autrui, être disponible au maximum. On s'engage à quelque chose, c'est-à-dire qu'on signe un contrat, on est responsable dans tout ça. On s'engage envers la population, on s'engage envers l'État, envers la citoyenneté. Enfin, on devient vraiment quelqu'un, hein, on porte un uniforme, donc c'est pas rien. Enfin, notre devise, c'est courage et dévouement. Hein. Le respect aussi, entre autres. Respect de l'autre, respect de la situation. On a besoin de savoir ce qui s'est passé, hein, pour que ça reste dans un cercle assez restreint. Ouais, c'est vrai qu'on s'engage aussi envers ses collègues, on a quand même une responsabilité avec son chef, avec son équipier, on est tous responsables l'un de l'autre, donc on s'engage à prendre soin de ses équipes aussi. Mon idée de l'engagement, alors c'est justement, je pense que c'est pas de mettre de côté une partie de sa vie. C'est s'engager dans quelque chose, c'est s'engager dans une voie. Donc justement, c'est faire un choix. Mais c'est un choix qui va nous apporter des rencontres, des émotions, de l'adrénaline, toutes ces choses-là, de belles rencontres. Faut pas que ça fasse peur. Voilà, faut surtout pas que ça fasse peur. C'est s'engager dans une belle voie. Où on cassera notre quotidien, où on cassera notre routine, où on sera ouvert aux autres, ça va gommer les différences aussi. Qu'est-ce que je peux apporter, moi, avec mon petit niveau, à la société dans laquelle je vis, dans laquelle je grandis et j'évolue? C'est aussi ça, c'est... Alors ça passe par le don de soi, mais c'est apporter ma pierre à l'édifice, voilà. Et chacun des sapeurs-pompiers va poser cette petite pierre, voilà, et on construit la sécurité ensemble.